Le CFA Académique vous présente le dispositif d'accompagnement socio-professionnel des apprentis mis en œuvre par les DABM d'EGRETA. En plaçant l'apprenti au cœur du processus, l'accompagnement proposé vise à sécuriser le parcours du jeune. Le but est en effet de lever tous les freins, qu'ils soient d'ordre social ou professionnel, afin d'optimiser ses apprentissages. Cette prestation, complémentaire à l'accompagnement pédagogique déjà réalisé au sein des UFA, va également permettre aux jeunes de s'acculturer au monde de l'entreprise et de préparer soit sa poursuite d'études, soit son insertion professionnelle. Pour cela, le CFA Académique a décidé d'innover en faisant appel à des professionnels de notre réseau de l'éducation nationale, les conseillers DABM, dispositif académique de bilan et mobilité. Les apprentis seront donc suivis par des spécialistes de l'accompagnement, à savoir des conseillers en insertion professionnelle ou des psychologues du travail. Cet accompagnement d'une durée maximum de 29,5 heures, intégré à l'emploi du temps des apprentis, est composé d'un socle commun obligatoire de 17,5 heures, qui comprend 5 modules collectifs de 3 heures chacun et 3 entretiens individuels. Ce socle obligatoire peut être complété par des ateliers facultatifs et ou des entretiens individuels complémentaires selon les besoins particuliers du jeune. Le socle obligatoire commence en début de parcours par une présentation de ce dispositif et une sensibilisation sur les droits et les devoirs de l'apprenti. Il est d'une part suivi d'un entretien individuel diagnostique afin de repérer les besoins du jeune sur le champ socio-professionnel et d'autre part de 2 ateliers collectifs qui portent sur le savoir-être et sur la posture professionnelle attendue en entreprise. En milieu de parcours, le jeune revoit le conseiller lors d'un entretien individuel intermédiaire afin de s'assurer qu'il ne rencontre pas de nouvelles difficultés qui pourraient nuire au bon déroulement de son parcours. Enfin, il participera à 2 ateliers collectifs et à un entretien individuel final qui le prépareront, soit à sa poursuite d'études, soit à son insertion professionnelle. Des ateliers facultatifs à destination des apprentis sans entreprise d'accueil, en rupture de contrat ou en situation de décrochage pourront être organisés afin de leur permettre de reprendre confiance en eux et d'acquérir différentes techniques de recherche d'emploi pour obtenir un contrat d'apprentissage. En fonction de la durée du contrat, le parcours d'accompagnement se déroulera sur 1, 2 ou 3 ans. Ce visuel vous aidera à identifier les temps clés expliqués précédemment. Pour tout renseignement complémentaire, les équipes des DABM sont à votre disposition. Retrouvez ici votre contact.